Hey, 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouveau speed build un peu particulier. J'ai voulu pour Halloween faire une création un peu particulière. De toute façon, vous avez vu dans l'espèce de bande-annonce machinima ce que c'était. C'est donc un cimetière qui cache en son sein une jolie petite boîte de nuit. Alors, je suis malheureusement partie sur un terrain un peu petit de 20 sur 20. J'aurais dû penser faire un peu plus grand. Mais j'ai été bête, donc je ne l'ai pas fait. Mais en tout cas, voilà. Donc ça veut dire que mon cimetière, je l'ai voulu un peu plus grand. Bon, on n'a pas encore la mise à jour, j'ai pas pu le faire vallonner. J'aurais adoré le faire vallonner, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Dans ce cimetière, j'ai voulu en fait vraiment représenter un peu, je sais pas si vous avez déjà été au Père Lachaise ou autre, hein, bien sûr, il n'y a pas que le Père Lachaise dans la vie, des espèces de caveaux. Donc il y a des petits caveaux tout petits, tout mignons, et le caveau principal qui est en face de l'entrée, qui est vraiment centré sur le parc, en fait, sur le cimetière en lui-même, qui lui est un caveau vraiment plus grand, et c'est aussi l'entrée de la boîte de nuit. Alors, j'ai un peu aussi voulu, voilà, faire une ambiance un peu glauque, un peu dark, avec les silhouettes et comment dire, les statues de vampires. Là, je commence à faire les petits caveaux. J'ai voulu vraiment rajouter ça. Bon, je suis toujours pas hyper douée dans les constructions, hein, ça sert à rien de le faire, de me dire, mais je le sais. Mais j'essaye de m'améliorer. En tout cas, des fois je galère, des fois je galère pas. Là, j'ai voulu faire comme des étagères, comme si on allait ranger les cercueils. Ça le fait pas trop, mais bon, là, ça fait un peu les étagères pour faire genre les offrandes et tout ça. Enfin, les offrandes, pas vraiment les offrandes, mais genre les bougies qui vont rester, tout ça, quoi. C'est vraiment la décoration que qu'on laisse aux défunts. Les bouquets de fleurs, les bougies, les pensées, les marbrures, tout ça. J'ai vraiment sorti un peu tout, mais je n'ai pas tout utilisé, comme vous pourrez le constater par la suite. Les espèces de piédestals des vampires sont parfaits pour faire les petits autels. J'ai tenté de mettre les palissades là, mais ça ne fonctionnait pas. C'était pas du tout le cas. Enfin, ça ne s'accordait pas, on va dire, surtout. L'occasion d'utiliser des vases qui sont office comme des urnes funéraires, pas funéraires. Les bougies, ah, ça, les bougies, ça, moi, j'adore. Vraiment plus l'ambiance bougie que je voulais mettre en avant. De l'encens, parce que bon, les morts, ça pue quand ils se décomposent, hein, bien sûr. Hein, je dis vraiment de la merde, c'est pas grave. Après, voilà, j'avais réduit en fait l'espèce de piédestal et la statue, sauf que la statue se mettait à voler, donc ça me dérangeait un tout petit peu. Donc j'ai voulu quand même cacher ça parce que c'était pas joli. Là, je commence à poser du coup toutes ces sortes de tombes tout autour pour vraiment faire comme un cimetière. Je repousse un peu les comment ça s'appelle les caveaux. Ça, je me suis rendu compte que mon truc était vraiment trop petit. Hein, comme, je dis, ah, merde, j'ai mal jaugé la pièce, quoi. Enfin, le 20 sur 20, c'est vraiment trop petit. Hein. Mais bon, ça va si vous installez sur un truc plus grand. Vous pourrez du coup rajouter des tombes, tout ça. Voilà, j'ai voulu rajouter des gargouilles, mais sans grand succès. Puis là, je commence à monter les fers parce que vous voyez, il y a le trou entre la statue et le piédestal, et ça me stressait un tout petit peu. On rajoute des tombes. Alors, bien sûr, en spécificité du terrain, je l'ai ajouté en tant que hanté, évidemment, parce que normalement, avec toutes les tombes, ça me paraît logique qu'il y ait des fantômes qui se baladent. Cassé, des jambes cassées, ça le fait. On croira que c'est personnes qui sont incinérées à l'intérieur. Des tombes, des tombes, des tombes. On dirait qu'il a bien plein celui-là, bien plein à craquer
ce cimetière. Hein. Là, au niveau capacité d'entrée, on est fou, là. Vraiment, hein, sauf si c'est pour faire la fête, on peut plus enterrer plus qui que ce soit ici, hein, c'est fini. Alors, la peinture des mausolées et autres chambres funéraires, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu galère parce que ça ne mettait pas forcément dans les mêmes coloris que les colonnes. Ça m'a stressé un peu parce qu'en plus je trouvais pas vraiment des colonnes vraiment jolies qui faisaient vraiment glauque et tout ça. Enfin, ça manquait clairement. Alors j'ai un peu mélangé tout. J'espère que ça se marie bien les uns avec les autres. Alors, j'ai souvent changé de couleur, j'ai souvent changé de colonne. Jusqu'à temps que ça maille. Et puis en plus, surtout que selon l'angle de vue et la couleur, que ce soit le matin, midi ou soir, ça prenait pas les mêmes couleurs entre les murs et les colonnes. Donc ça me saoulait un petit peu. Commence à mettre la terre battue devant les tombes. Voilà, j'espère d'ajouter les espèces de petites clôtures qui font comme s'il y avait vraiment une pierre tombale. Voilà. Ah, là, on n'hésite pas sur les moyens. T'as vraiment un macabé qui est là-dessous, hein, ça. Y a plus de problème. Là, je commence à faire les passages piétons, si on ose dire. Les passages entre les tombes dans le parc, histoire de pouvoir se balader et d'aller voir nos morts. Voilà, sur cette tombe-là, elle aura une jolie statue. Au fond, il y a une petite fée parce que c'est une petite fille, on dira. Les autres, je n'ai pas forcément spécifié. Et là, j'ai voulu imiter, vous savez, des fois, il y a les vitraux au fond des trucs comme ça. C'est très joli d'ailleurs. Il y en a qui sont très très beaux, en très bon état et tout. Donc ces fenêtres s'y prêtaient bien. Ah, et voilà, c'est maintenant que je commence à mettre les plantes, les lumières, les plantes, et on est parti. Ah oui, parce que je me suis rendu compte que pour caser un escalier, le truc du centre était trop petit. Donc j'étais obligée de l'agrandir un peu. Puis me revoilà reparti avec mes colonnes parce que j'arrivais pas à trouver la bonne colonne, le bon coloris qui me plaisait. C'est toute une histoire. Pareil pour les arches comme ça, c'est vraiment dommage parce que celles qui étaient les plus belles du type vampire, elles calaient pas sur une ouverture de 2, c'était sur 3, donc c'était vraiment dommage. Et comme mon terrain était petit, on y revient, je ne pouvais pas caser cette ouverture de 3, sinon effectivement j'aurais fait un mausolée beaucoup plus gros qui aurait été vraiment comme un micro-chapelle, quoi ou qu'est-ce pour pouvoir faire rentrer les Sims à l'intérieur. Mais là, vraiment, je suis vraiment pas bien jugé le truc et j'ai fait trop petit. Bon, j'ai ajouté deux arbres histoire de rajouter un peu de verdure. Et là, on commence, ouais, voilà, à mettre tous les lierres, les machins, les trucs qui grimpent au fil des années sur les bâtisses, c'est normal. Que ce soit un peu un lieu aussi poétique et en même temps un peu bizarre, un peu glauque, ça aide. Les plantes, c'est la vie, quoi. Les fougères, c'est la vie. Puis surtout, ça habille et ça rend la chose beaucoup plus naturelle. Alors, j'ai voulu surtout mettre un petit arbre à cracrac et à pipi. Un petit buisson. Hein, histoire qu'on puisse s'amuser. Bah, on n'oublie pas que c'est une boîte de nuit qui est en dessous. Hein, donc, si on trouve l'amour de sa vie, on l'emmène plus haut. Et puis hop là, c'est parti. On va conclure sans avoir besoin d'un lit. On a le buisson qui est là à proximité. Et pour les gens bourrés aussi, ils peuvent très bien faire un stop dans le buisson et dormir un coup, histoire de se remettre un peu les idées au clair. Hein. Pourquoi pas? Je m'attaque à l'intérieur du mausolée à vraiment faire plus de lumière. Puis je me rends compte que j'ai pas meublé un autre petit, même deux autres petits. Alors voilà, j'ai essayé un peu de trouver un peu de tout. Là, j'ai mis un espèce de registre qui fait comme une Bible ouverte. Un coffre, ça s'y prêtait bien. Des bougies, des vases.
Là, l'urne de grand-maman, ça c'est une vraie urne que nous avons dans les Sims. Moi, elle a servi pas vraiment à la chose à laquelle elle devait servir. Ah, des fougères, encore des fougères, quelques ronces, tout ça. On n'oublie pas qu'on est dans un cimetière. En général, c'est assez fleuri. En général. Et on n'oublie pas que certaines personnes vont voir encore leur famille qui sont enterrées là. Et donc, là. Les petites plantes qui poussent par-ci par-là dans des pots de fleurs ou pas. Des fleurs, toujours des fleurs. Vous avez bien vu que le buisson il est accessible là où il est, malgré qu'il soit entouré de fleurs, tout ça, il reste accessible entièrement à 100%. Voilà, ça y est, je commence à tracer le sous-sol. C'est surtout là que je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, c'était beaucoup trop petit. Parce que voilà, j'ai voulu vraiment faire que la piste de danse soit au second niveau du sous-sol, parce que pour l'instant, on n'a que deux niveaux de sous-sol accessibles. Bientôt, nous en aurons quatre après la mise à jour gratuite. Et pour que ça se fasse en deux temps, voilà, qu'on descend comme une descente aux enfers, mais qui ne l'est pas. Et alors, je sais pas ce que j'ai bidouillé, mais j'ai pas réussi à mettre un sol sur le tâche intermédiaire. Donc je dis, bah, c'est pas grave, ce sera de la terre, ça fera vraiment. Voilà, un cimetière, on y est presque. Bon, voilà. Et comme j'ai été obligée de mettre des toilettes, j'ai mis des vieux toilettes de vampires. Histoire de gagner en authenticité du lieu, on va dire. Alors c'est particulier donc pour le sous-sol vraiment de la piste de danse et compagnie. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment un très gros contraste par rapport au cimetière qui est au-dessus, qui est censé être très glauque, très dark, très voilà. Donc là j'ai continué un peu dans le domaine dark au moins un, mais au moins deux, j'ai fait péter les couleurs quoi. Ça se voit déjà de toute façon avec les barres qui illuminent, et puis je vais surtout mettre un papier peint de dingo. C'est un papier peint en fait de ambiance spatio, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, ouais. Et qui est luminescent, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de lumière, j'ai mis zéro lumière au moins deux. Et il n'y en a pas besoin en fait, avec les trucs aussi de barman derrière, les néons. Je crois que j'ai pas mis le néon finalement. Enfin si, j'ai mis le néon flèche. Mais ça, il n'y a pas besoin parce que c'est vraiment ultra pétant comme couleur. Et en fait, je voulais vraiment créer ce contraste entre le glauque du cimetière, les morts, tout ça, la nuit, ça fait peur, nanana. Quand on y va, ça fait peur. Et puis au final, on va au moins deux, on s'éclate, c'est hyper peps. Voilà. Bon, après, je ne suis pas hyper fière, quand même, de ce que j'ai fait. Ma boîte de nuit en elle-même, au moins deux, elle est pas GG. Je sais pas, pour moi, il manque vachement de choses et j'ai pas réussi à trouver les éléments. Je sais qu'il y en a en plus, mais j'ai pas réussi à faire quelque chose de vraiment sympa. En tout cas, de mon point de vue personnel, mais vous me direz vous si ça vous plaît, si vous trouvez qu'elle est suffisante ou pas. Vous voyez le néon flèche qui veut dire c'est par ici la sortie.
Mais ouais, j'ai essayé. Là, je me dis, bon, finalement, on va mettre ce truc-là, c'est mieux. En plus, en violet, ça contraste avec, avec ce truc-là, avec le mur qui revient. Mais au moins, voilà, j'avais dit qu'il y avait zéro lumière. J'ai dit de la merde, finalement. Enfin, c'est plus des néons pour faire un peu ambiance, justement, boîte de nuit que des vraies lumières, quoi. Par contre, c'est vrai qu'au moins un, j'ai mis beaucoup de trucs noirs. Voilà, le petit parc, il est joli, quoi, pour l'instant, hein, en plein jour, c'est sûr qu'il est mieux. Alors, qu'est-ce que... Oui, j'essaye de revenir sur mes pas et de... d'améliorer le dessus, mais voilà. Et finalement, je mets quelques lumières de bougie sur au moins un. C'est vrai qu'au moins deux, j'ai essayé hein, de trouver des trucs, mais... Je ne suis pas hyper satisfaite de ce que j'ai fait. Ah si, j'ai quand même mis des guirlandes. Ah bah oui, j'ai dit n'importe quoi. Moi, je dis que j'avais mis zéro lumière, j'en ai mis. Ça m'a plu. Je suis fatiguée. Je dis de la merde. Des petites fissures, histoire de se dire que c'est glauque. Surtout à ce niveau-là. Puis finalement, les toiles d'araignée, je les aimais pas. Et je trouve que ce papier peint avec reflet, toujours du pack vampire, est vraiment très très bon. Et alors, c'est vrai que j'avais oublié. Pour avoir, je voulais une ambiance un peu, vous voyez, un peu la fumée qu'on voit souvent dans les films d'horreur, tout ça, qui est créée, on peut la créer avec les Sims. Le souci, c'est que ça fait aussi des bulles. Et puis je me suis dit finalement, c'est rigolo, ça fait une ambiance un peu spéciale à ce cimetière. On a la fumée en fait qui est de la vapeur, hein, tout simplement, et aussi les bulles qui remontent comme ça fait comme des âmes, des orbes qui se baladent. Wouhou, ce lieu est hanté. Oh là là. Alors du coup, j'en ai mis un peu aussi en bas. Histoire que l'ambiance soit aussi au moins deux, autant qu'au zéro, quoi. Qu'au rez-de-chaussée. Enfin, qu'au rez-de-chaussée. Le cimetière. Voilà. Puis je pense que l'ambiance est plutôt pas mal. Ça fait un petit truc sympa. Et puis des bulles, bon, c'est festif aussi, hein. Autant y aller, quoi. Ça annonce la couleur, quoi. On est parmi les morts, mais il y a des bulles, donc c'est sympa. Voilà, c'est tout pour ce speed build. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et est disponible dans ma galerie. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures en let's play ou d'autres choses. Allez, salut!